أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، شفر الأيمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لونج الله سبحانه وتعالى بلا بنديسيون دي الله سو لي ميساجي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم que Allah puisse lui sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité dans nos propos et dans nos actes. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne nos défauts, nos erreurs. On a beaucoup de frères, de sœurs qui sont décédés, des musulmans, que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. On a beaucoup aussi qui sont malades, ils sont dans les hôpitaux, chez les guérisseurs, dans leur maison, que Dieu les a donné la santé. Amen. Certains aussi sont dans les problèmes difficiles, qu'à la main la facilité. Chers frères, aujourd'hui nous sommes avec le verset dans les Suratul Zumar. Les savants nous disent, il n'y a pas le verset, tous les beaucoup des sahaba. Ils ont dit, ils n'ont jamais vu le verset qui les intéresse, et verset qui les assure, comme cet verset. Dans les Suratul Zumar, Allah, verset 53, Allah exhorté dit qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Voilà le verset, cet verset dans le sourate Zumar. Et Allah, il s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, déclare, qul, dit Ya ibadia. Les savants disent ici, Ya ibadia lezina asrafu. Il dit, mes serviteurs, lezina ceux-là, asrafu, qui ont commis des péchés. Asrafu, qui ont commis des interdictions. Asrafu, qui ont tombé dans les grands, grands péchés que Allah a interdits. Les savants nous disent, pourquoi cette verset est vraiment assuré? Imaginez, Allah, quand il interdit quelque chose, tu l'as commis. Malgré ça, il devait t'appeler toi qui es têtu, toi qui es arrogant, mais Allah ne t'a pas appelé comme ça. Il t'a fait comment? Il est en train de te moraliser, il t'a fait.
ça, après Dieu les a guidés, ils ont repenti. Allah a accepté leur repentance. Quand tu lis Kitab al-Ashfa, tu vas voir des choses que les gens ils ont commis, mais après leur repentance, Allah a accepté. C'est à cause de ça, c'est ce que Allah il veut de nous, c'est le verset. Wa qala Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit ma fi al-Qur'an ayatan a'azam farajan min ayati fi surat al-Ghurfa. Il a dit dans le Coran, il n'y a pas le verset a'azam farajan qui a la porte de solution qui n'est pas cet verset. Lui, il a appelé le surat là, surat al-Ghurfa. Hein? Parce que dedans, il y a là où on parle. La roule, il faut qu'il vous goûte fatou, on est jusqu'à la fin. Il a appelé ça Aïe Surat Zuma. Il y a Abadi. Abdullah ibn Umar, le fils de Umar, il dit Hazi il arjou ayat al fil Quran. Il a akhir zalika min akwal sorf. Ibn Umar a dit ça, c'est le verset que j'ai beaucoup l'espoir ce soir. Et c'est beaucoup de Sahaba, de Sorf, tous ces versets-là. C'est le verset qu'il prend sa peau, dit les gens, voilà ce que Dieu nous a réservé. Donc, on est chers frères, chacun d'entre nous n'est qu'à regarder tout ce que nous faisons, tourner avec Allah. Ce qui est meilleur, Allah vient de nous à Tawba. Et repentir auprès de lui. Imam Ibn Taymiyyah, dans le Kitab al-Awwaliyah, il a dit à Tawba tout, il y a bidayatul amr wa nihaya. Il a dit repentation, c'est ça qui est le début de la situation. Repentation, c'est ça qui est la culture de la situation. Ya ayyuha allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Allah dit, oh vous qui sommes les croyants, repentez-vous envers Allah, repentez-vous.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le prophète, Nabbi ibadi, anni, anal kafur rahim. Il dit, il faut informer mes serviteurs que moi, Allah qui voilà, c'est moi qui est kafur, le pardonneur. C'est moi qui est rahim, le très miséricordieux. C'est Allah qui dit ça, il dit le prophète, dit ça. Nabbi ibadi, il faut dire mes serviteurs, anni, anal kafur, c'est moi, Allah qui est kafur. Le pardonner. Arrahim, il est très miséricordieux. Pourquoi Allah il a pris les démons? Parce que Allah dit Illa amantaba wa amana wa amila amala saliha. Faula ika yubadilullah sayyatihim hasanati. Tu as dit, Allah dit si quelqu'un il fait les choses qui ne sont pas bonnes, et le prêche il est arrivé et il a repenti, à cause d'Allah qu'il a repenti, le mal que tu as fait là, Allah il va changer ça, ça devient bonheur, il te donne. C'est Allah seulement qui fait ça. Voilà pourquoi il a dit Yubadilullahu sayyati. Le mal que tu fais là, il va changer. Al-Hasanat, ça devient récompense pour toi. Allah pourquoi il a dit Wakanallahu ghafuran rahim. Il est le pardonneur, il est le très miséricordieux. C'est à cause de ça, il a dit Nabbi ibadi. Il faut dire mes serviteurs, les hommes, les femmes, Anni, Anal ghafur. C'est moi Allah qui est le pardonneur. Quand tu demandes à Allah pardon, il ne demande pas la vie de quelqu'un. Ça peut être chacun d'entre nous. Quand tu as commis des erreurs, quand tu as commis des banditismes, quand tu es tombé dans le piège du diable, il ne faut pas informer quelqu'un. Il faut repartir entre toi et Allah. Ça peut être ça, les savants nous disent, quand tu connais quelqu'un qui a fait certaines bêtises, il ne faut pas les moquer. Pourquoi? Les savants disent peut-être qu'il est déjà reparti auprès d'Allah. Toi, tu ne connais pas. Ça pourrait être qu'il est déjà reparti. Dieu l'a pardonné. Et toi, tu es en train de lui manquer. Or que le prophète Mohammed, il a dit quand quelqu'un commet certains banditismes, certains péchés, et tu prends ça, toi, tu lui manques. Toi qui lui manques là, tu ne mourras jamais. Tu vas tomber dans ce piège. C'est comme ça le prophète. Quand tu manques quelqu'un parce qu'il a commis certains banditismes, tu le montres. Le prophète a dit, tu ne mourras pas sans que tu vas commettre le plus pire de ça. Ah oui. En islam, notre repentation, ce n'est pas comme les chrétiens. Nous, on n'informe pas quelqu'un. Même imam, tu ne le dis pas que tu as repenti. Haza bayn al-abdi wa rab. Ça, c'est entre le serviteur et qui? Son Seigneur. Regardez le prophète Moussa. Les gens sont venus voir le prophète Moussa. Il dit, il manque d'eau. Il faut demander à Allah de faire tomber la pluie. Le prophète Moussa dit, sortons, on va demander à Allah la pluie. Allah dit, Moussa, ne sortez pas. Parmi vous, il y a quelqu'un, ça fait 70 ans, il est en train de me désobéir. À cause de lui, la pluie ne tombe pas. Il nage dans le péché. À cause de lui, même s'il fait droit, l'eau ne peut pas tomber. Moussa dit, il n'y a pas de problème, alors on va chercher. Moussa a demandé, c'est qui va montrer ça? Même dans la mosquée, là, si quelqu'un a pété, qui peut se lever la main et dire, c'est moi qui ai pété? La personne a oublié. C'est là qu'il a courbé sa tête, il a dit, oh, ça fait 70 ans que je suis en train de faire le péché. Tu ne m'as jamais exposé. Aujourd'hui, là où c'est arrivé, là, je te demande, il ne faut pas m'exposer. Je me suis reparti, je ne fais plus. La pluie commence à tomber. Le fait tout le monde s'est dit, alors je ne comprends pas. Mission que tu m'as confiée, là, ce n'est pas encore joué. Parce que je ne parle encore vu la personne. Et pourquoi la pluie tombe? Allah dit, il est déjà reparti. Le fait tout le monde s'est dit, j'ai compris. Mais Allah, au moins quand même, montre-moi ce qui. Allah dit, ça c'est entre moi et lui. Ça l'a fait. Allah dit, quelqu'un qui m'a désobéi 70 ans, je ne l'ai pas exposé pour que tout le monde le connaisse. C'est aujourd'hui qu'il a repenti, que je vais te dire c'est elle. Il a dit ça, entre moi et serviteur, il n'y a pas ça. On attend quoi? On attend quoi? Aujourd'hui, regardez comment nous faire. Dès qu'il a vu ton défaut, il met ça dans le Facebook. Il met ça dans le TikTok. Allah, il connaît le défaut de chacun d'entre nous, mais voilà, il ne parle pas. Il est là. Il attend seulement qu'il faut repartir. Voilà, si tu as repenti, l'affaire aussi, c'est fini. L'affaire, c'est fini.
Vous n'avez pas entendu Hadith Imam Muslim, Hadith Abu Huraira. Yom al-Qiyam, Allah va appeler un musulman qui a commis le péché, il a demandé pardon. Allah va l'appeler, dit viens. Il va dire mon serviteur, attends, pour nous entrer dans casa, tu rappelles tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Le serviteur, Allah va mettre la voix, personne ne va pas tuer Allah. Il va dire oui, Allah, je le connais, je le connais. Il va dire, ah, peut-être Allah n'est pas accepté mon repentation. Il va me jeter dans la charia, dit non, je t'informe pour savoir que je suis au courant des temps. C'est moi qui t'ai couvert dans le dunya, va jeter pardon par le paradis. C'est lui que moi j'adore, chers frères. Ça que ça, c'est très important. Allah dit, Nabi Ibad, dis mes serviteurs, Anni an al kafour rahim. C'est moi Allah qui est kafour. Le pardonneur, il est très miséricordieux. Mais maintenant, ceux qui vont refuser la vérité, ils vont dire, laissez-nous. Ils vont devenir soumoul, beaucoup moul, oumoul. Ils ne voient pas la vérité, ils n'entendent pas la vérité, ils ne veulent pas écouter. Allah dit, wa anna azabi huwa azabul. Là, sachez que ma châtiment, il n'y a pas quelqu'un qui a le châtiment comme moi, Allah. Tous les châtiments qu'on a fait, l'homme, c'est faux. Dans les sourates al-Fajr, il dit, fayyoma izin la yu'azib azabahu ahalim. C'est ça qui est wa anna azabi huwa azabun alima. Allah dit mon châtiment, c'est ça qui est châtiment douloureux. Parce que la manière qu'Allah dit va châtier les gens en marquant, Allah dit personne ne peut pas châtier comme ça. Et il a dit la manière qu'on va marier quelqu'un. Allah dit dunya là, on n'a jamais amarré quelqu'un comme ça. Alors il ne faut pas nous châtier. Il ne faut pas nous amarrer. Pour cela, il n'a pas de four. Allah il est le pardonneur. Ar-Rahim, il est le très miséricordieux. Le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, At-Ta'ibu min Azam, Kama al-Azam balam. Il dit, quelqu'un qui a commis le péché et il a demandé pardon à Allah, il devient comme il n'a rien fait. Il devient comme il n'a rien fait. Et on ne voit pas le fils d'Adam qui va venir sur cette terre qui n'est pas de péché, il n'y a pas. Et comme Allah, il vient dérouler le bonheur, ça connaît ça, la porte de repentation, depuis qu'Allah ouvre ça, on ne ferme pas ça. Sauf le jour que le soleil va changer la direction. Sauf le jour que le soleil va changer la direction. Il y a les gens qui ont combattu le prophète Mohammed. Abu Sofiane, que vous attendez Abu Sofiane, il a combattu le prophète Mohammed. Khalid ibn Walid, que vous attendez là, il a combattu le prophète Mohammed. Après, quand ils ont reparti pour regarder le visage du prophète, ils ont honte. Le prophète a dit Islam est du pour ma Kabla. Le prophète a dit Islam est déjà nettoyé ce qui est passé. Soyez des hommes. Défendre l'islam. Ils ont dit la manière qu'on a combattu l'islam hier. Aujourd'hui, nous allons soulever notre nom pour défendre l'islam. Abu Sofiane, pour défendre l'islam, à la fin du compte, on a cassé son oreille. Radiallahu ta'ala. Repentation, chers frères, c'est repentation qui change la vie de l'homme. On te voit que tu es criminel. On te voit que tu es malheureux. On te voit que tu n'as plus l'espoir. On te voit que tu es l'homme de l'enfer. Clin d'œil, tu deviens l'homme super. Il n'y a pas quelque chose qui fait ça sauf quoi? Repentation. Toi que hier, personne ne te connaît pas. Repentation va faire que ton nom est mentionné sur l'arche de Allah. Nimaza. Parce que inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu at-tatahhirin. Allah, il aime ceux qui repentent. Si c'est un pas là seulement. Mais quand tu vas repartir, Allah il va t'aimer. Allah dit j'aime ceux qui repentent. Il suffit seulement que tu es dans le péché, tu as repenti, Allah il t'aime, il va t'aimer. Salam alaykoum. Les gens qui sont dans la mosquée, même si c'est un ministre qui t'a aimé, comment tu vas partir? Et on dit ça, Allah qui t'aime. Il suffit seulement de repentir. Et les gens qui se purifient, à chaque moment, il est dans la mission. À chaque moment, quand il part aux toilettes ou il part soulager, il se fait propre.
Les gens comme ça, Allah, il les aime. Certains aussi ont dit, Walmototokirim, les gens qui arrachent leur cœur, arrangent leur cœur. Il n'y a pas rancune dans son cœur, il n'y a pas association. Ça, c'est ça qui est à trop. Les gens comme ça, Allah, il les aime. Le prophète Mohammed, il a mené l'histoire d'un homme. C'est un homme qui voyageait. À l'époque, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas l'avion. C'est les montures. Et ce moment, vous savez, si quelqu'un veut voyager, tout le monde va lui commissionner. Celui-là dit, paye-moi telle chose, prends cet homme. Paye-moi telle chose. Les gens ont donné beaucoup de amana. Au cours de son voyage, c'est pas voyage qu'aujourd'hui on fait une heure de temps. Ce moment, tu peux faire deux semaines, un mois avant d'arriver. Ça montre que sur le monture, là, il a fatigué. Il est arrivé en bas d'un arbre, il est descendu, il a dit, je vais me reposer. Vous savez, quand tu es fatigué, ça amène sommeil. Parmi les choses qui amènent sommeil, il y a fatigue. Il y a quoi encore? Les choses qui amènent sommeil. Il y a fatigue. Il y a faim. Il y a faim. Il y a quoi encore? La pauvreté. Le monsieur, quand il est fatigué, il est descendu sous son monture, il est dormi. Quand il se reposait, il est dormi. Il se réveille, il ne voit pas monture avec tous ses bagages. Avec tous les dépôts, à mal des gens là, je vais dire quoi aux gens? Aujourd'hui, même si tu es imam, tu veux aller chez vous. Je dis même, c'est toi qui es imam qui nous dirige la prière. Et nous tous dans la mosquée là, ça fait que nous sommes même bilan avec toi. Tout le monde a dit, imam, prends 10 000, arrivé, tu donnes ma soeur, 50 000, avec toi ma soeur, celui qui te donne 100 000, 200 000. Après, nous sommes là, imam arrivé au pays, Dieu m'a agressé. Qui va accepter? Si c'est pas Allah qui va aider imam. Ceux qui vont accepter, c'est un père seulement. Beaucoup vont penser des choses. Le message dit, je vais dire quoi les gens qui appartiennent à ça là. Elle a dit, Allah, ce que je veux dormir encore. Avant l'âme de la mort, il prend mon âme pour que l'affaire finisse. Mais il vaut mieux mourir. Parce que moi, je ne sais pas que si je vais aller dire les gens là qui sont payés. Et il est recouché, le sommeil l'a pris. Mais Dieu ne l'a pas tué. Après, il se réveille encore, il voit son monture avec les bagages. Ah! Tellement qu'il est content, il s'est réveillé. Au lieu de dire, c'est toi qui es Allah, c'est moi qui es serviteur, tellement qu'il est content, il dit, c'est moi qui es Allah, Allah, c'est toi qui es serviteur. Le prophète a dit, Achad de Farah. Il a fait erreur parce qu'il est très content. Et il a dit, tu as vu comment il est content, il a fait erreur là. Ton Allah, il est plus content si un serviteur au parti qui dépasse le monsieur. Allah, il est content par rapport à ce Allah, il est content par rapport à ce monsieur. Si quand tu as reparti, voilà pourquoi il a dit, Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Allah, il aime les gens qui repentent, il aime les gens qui se purifient. Chers frères aimés, à Tawba là, il n'y a pas quelque chose qui a la situation de l'homme comme Tawba. Depuis le début jusqu'à la fin, même les prophètes, ils ont tombé dans les oreilles. Regardez le prophète Adam. À la trompe, il a fait. Allah dit Fatalaqa Adam min Rabbihi bi kalimatin Fataba alayhi innahu huwa tawwabur. Prophète Adam a cherché le mot, manière pour demander Allah pardon. Et Allah a accepté son pardon, il a pardonné. Regardez le prophète Moussa. Moussa, il a giflé quelqu'un, il est tombé, il est mort. Qala Rabbi inni qatartu nafsi faghfir li. Inni zalamtu nafsi qatartu nafsi faghfir li faghfir lahu. Il a demandé à Allah pardon, Allah l'a pardonné. Regardez tous les prophètes, quand tu rentres, c'est comme ça tu vas voir. Jusqu'à même notre prophète Mohammed. Malgré lui, il n'est pas de péché, mais il a dit chaque jour, Anna Abdoubou Yom Mil Maratu, El Miatul Mara, au fil Roya, Samou Namara. Le prophète a dit chaque jour, moi je demande à Allah pardon, je me repens 100 fois ou 70 fois. Rabbi Kfirni wa Touba Aliya innaka anta tawwabur rahim. Le prophète Ibn Masoud a dit, quand j'étais avec le prophète, j'ai compté, le prophète a fait 100 avant qu'il se levé. Or que lui, il est déjà pardonné.
Voilà pourquoi Imam Ibn Taymiyyah il a dit At-tawbatu hiya al-bidayatu al-amri wa nihaya. À la culture hadith qui est dans l'Irak du Soirée, le prophète a dit Kulli bin Adam hatta wa khayra hatta'in at-tawabu. Il dit tous les fils d'Adam ont un autre péché. Voilà, c'est la vérité. Il a dit mais meilleur parmi les gens qui font le péché, ceux qui demandent à Allah pardon. Voilà pourquoi il a dit Waktubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah dit repentez-vous tous, vous les musulmans, vers Allah. À travers des repentances, vous serez les gens heureux. Qu'Allah nous place parmi les repentants, que Dieu accepte notre repentation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.